Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. La semaine dernière, on avait terminé d'installer les faux cadres de fenêtres et de porte-fenêtres que le menuisier nous avait préparés. Il faut maintenant qu'on s'attaque à la pose des seuils extérieurs afin qu'il puisse revenir, prendre ses mesures définitives et commencer la production de nos fenêtres. Pour cela, on va utiliser un matériau local, l'ardoise. On posera des seuils de 3 cm d'épaisseur pour les porte-fenêtres et des seuils de 1 cm d'épaisseur pour les fenêtres. Thank you.
le menuisier m'a demandé de faire arriver les seuils plus ou moins où il y a le trait rouge là, donc à la moitié du cadre en bois. Et donc on aura le seuil intérieur qui va arriver plus ou moins à 1 centimètre là, et le seuil extérieur encore à 1 centimètre ici. Et donc là, on va pouvoir ensuite isoler entre les deux. Et la fenêtre viendra se poser donc à cheval sur les deux seuils, comme ça. Sauf que là, je suis un petit peu embêté parce que donc j'ai pris mes mesures par rapport au linteau. Au linteau, donc je suis à 27 cm, cette distance-là des deux côtés à 27 cm. Mais là, le mur est un peu plus large en bas. Et donc, si je mets ici à 1 cm, à 1 cm de la moitié, comme de l'autre côté, là, j'arrive à fleur, voire légèrement à l'intérieur du mur. Donc, je ne sais pas si tricher un peu et le ramener à 1 cm de plus, je pense que ça va pas déranger. Allez, on va essayer de faire ça. On va le ramener là. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est couper et mettre à bonne dimension tous les seuils. Et une fois que ce sera fait, je commencerai à coller. Je collerai tout d'une traite. Donc pour coller, je vais utiliser un mortier chaud sable et je vais y mettre une truelle de ciment pour le batarder pour que ça colle vraiment bien. J'ai un peu peur que, vu que c'est quand même très lisse, j'ai un peu peur que ça colle pas. Mais bon, on va voir. Allez, à la suivante. Donc sur la porte-fenêtre de la cuisine, on va devoir enlever la pierre de seuil extérieur qu'on avait posée quand on avait fait le mur. Parce que en fait, elle vient pas suffisamment à l'intérieur. Donc c'était une pierre qui n'était pas très droite. En plus, elle a un biais sur cette face-là. Et donc le risque qu'il pourrait y avoir, c'est si donc on a notre fenêtre qui vient donc à la moitié de ce cadre ici. Si on a de l'eau qui ruisselle sur la fenêtre, elle pourrait entrer ici et donc on pourrait avoir des problèmes d'humidité ensuite, donc par ce point-là. En plus, on va avoir quasiment tous les seuils en fait en ardoise. Et donc celui-ci en pierre qui en plus est pas très droit comme ça, bon. Je pense qu'on va l'enlever. Donc, de ce côté-là, il ne vient pas sous le mur. De ce côté-là, si. Donc, je vais devoir tailler à cet endroit-là. Et puis, on viendra mettre un seuil en ardoise à la place.
Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir suivi et à bientôt.